Ils ont gagné la Saint-Louis. Parole de vainqueur. 1980, Jacques Castillazuelo. Eh bien, 1980, la Saint-Louis, c'est toujours le même rituel. C'est le matin, on déjeune ensemble, ça démarre le matin de bonne heure, après on se change, on va faire le défilé, après, bon, on mange ensemble encore à midi, ou alors on va boire un coup à droite à gauche, et après, bon, on se rend au tournoi, et après, on rentre dans sa bulle, voilà, quoi. Et la journée se passe comme ça, tout simplement. Et toutes les Saint-Louis, elles se sont toutes passées comme ça, toutes. En 80, je fais la demi-finale. Je gagne, bien sûr, la demi-finale et je suis qualifié pour la finale. Et l'autre demi-finale, c'était Di Stefano contre Montel. Et ils avaient fait le bouquet et j'avais été déclaré vainqueur. Jacques Castillazuelo, qui était premier dans les hit-parades en ce mois d'août 1980? Oh, c'était, si ma mémoire est bonne, c'était Ottawa, t'es OK. Chanter, t'es OK.